mais ça s'arrête jamais. Conrad va bien, tu crois? Il est capable de se débrouiller quand il y met Lucien. C'est pas vraiment une réponse. Oh, bah, ouais, je pense que Conrad va bien. Oh, génial. T'entends ça? Ouais. Il y a un truc qui se déplace. Gros bateau, gros moteur.
y a un truc qui bouge là-bas. Ouais. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Chut ! Que tout le monde se taise. Je vais aller la chercher. Faut vraiment qu'on fasse gaffe. C'est peut-être notre seule et unique chance. Lancer comme ça, vieux. C'est pas vrai, attends deux minutes. C'est pas vrai. Où sont passés les autres ? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas ! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. C'est bon, je te vois. Allez, viens là. Va te mettre à côté d'elle. On va les suivre tous. Faut pas les perdre de vue. Qu'est-ce qu'on fait? On était censé les suivre. Faut pas qu'on s'approche trop. Par là, on devrait pouvoir les danser. Je m'occupe de ça. C'est quoi cette chapelle ? Oh, c'est pas vrai, j'ai pas besoin de ça maintenant. Quoi ? J'entends rien.
Une seconde. On est déjà passé par là. Alors, ça m'étonnerait. Je suis certaine qu'on est déjà passé par là. Tu nous fais tourner en rond, quoi. Oh putain, quelle horreur! Alex, t'as vu quoi? Oh, regarde par toi-même. Waouh! Hey! D'après le menu, aujourd'hui, c'est ragoût. Miam! C'est comme si le temps s'était soudainement arrêté ce jour-là. Comme si le navire s'était figé. Eh, hey, fais gaffe avec ça. C'est pas le bon moment pour déconner. Va savoir, ça peut toujours servir. Soupe du jour, mademoiselle? Comme si t'étais un pro en cuisine. Chérie, quand on vivra ensemble, je deviendrai ton chef à domicile. Ok, maintenant c'est quoi cet endroit? Je pense qu'on devrait essayer par là. Stop. Il y a un problème. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas tout seul ici, t'as pas... Il y a bien... Il y a eu un bruit, non? Je sais que j'ai vu un truc. Ça se déplaçait dans l'ombre. Des rats. Ça devait être des... rats. C'est tout. Je t'interdis de te moquer de moi! On tourne en rond, là. Tu veux faire quoi? Tu veux faire demi-tour? On est déjà passé par là. Ok. Non. Ça, c'est trop glauque. Pourquoi? Des cercueils dégueux dans une chapelle flippante? C'est pas vraiment mon délire. Ça n'existe pas, les fantômes. Attends, quoi? Y a des fantômes, maintenant? Bah non, justement, les fantômes. Ouais, toi et moi, on est au courant. Mais est-ce que le fantôme le sait, lui? C'est quoi, ça? Hé, hey, y a le nom de ce type-là. On se fiche d'où ils venaient et où ils allaient. Ils sont morts et pas nous. Alors, pourvu que ça dure.
bordel. Non mais sérieux? Est-ce que c'est un humain? Enfin, est-ce que ça l'était? C'est quoi cet endroit bizarre? Faut partir. Vite. Allez, allez, allez! Il y a des sacrés verrous sur ces cercueils. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été enchaînés? Regarde celui-là. On dirait un modèle pour enfants. Je préfère pas savoir. On se tire d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Sérieusement? T'essaies de me faire flipper? Hein? On pourrait se tirer d'ici. Allez, remue-toi un peu, quoi. S'il te plaît. On peut se dépêcher. J'ai eu ma dose de tourisme. Bien reçu. Mais qu'est-ce qui fait un bruit pareil? Quel bruit? Wow. Y a rien qui dépasse ici. Je rigole pas, c'est vraiment pas le moment de déconner. Je suis à bout, là. C'est quoi ce délire? Non mais ça va pas, pourquoi tu l'as touché? Bon sang! Ce type est mort de peur! Je voulais pas voir ça! Ok, alors, il devait se faire opérer de l'appendicite, une procédure courante, et... il est mort d'un énorme infarctus, ce qui est beaucoup moins courant. Alors ça, c'est clair. Non.
Si on trouve des médocs, ils vont être périmés. Et depuis un bail. Pourquoi il te faut des médocs tout à l'heure? De l'aspirine. Il y a des trucs qui me filent mal au crâne, mais là, ça va. J'espère que t'es pas en train de parler de moi, très cher. Ça, ça a pas l'air franchement sécure. Tu m'emmènes comme ça. Et pourquoi je te le dirais? Mais dis-moi où on va au moins. Pas ça. Tiens-toi prêt. Prêt à quoi? À lui mettre une raclée. Oh, oh, oh. On la ferme et on avance. Stop. C'est bon! Montre-toi! Merde! Il est maudit, ce bateau de merde! Vise-moi ça. C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Hudson! Je crois qu'il a pété les plombs. Hein? Tu as déjà passé par ici, avant? Putain! Oh mon Dieu! Nom de Dieu! Ce type, il est sûrement encore ici avec nous. Je veux dire, tu meurs sur un bateau, ton âme reste sur le bateau.
Allez. Tu sais pas de quoi tu parles. À ton avis, il est arrivé quoi, ce type ? Rien qu'à voir sa tête. J'en sais rien. J'ai jamais rien vu de pareil. Je sais pas du tout ce que c'est que cette merde. Mais faut qu'on avance et qu'on trouve Olson. Vite ! Olson ! Merde. Qu'est-ce que tu fais ? C'était quoi ? Quoi ce délire ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Allez, Fliss, garde la tête froide.
Brad. Ah ! Hey, Brad. Qu'est-ce que tu... Ça va pas ? Qu'est-ce que tu fous ? Arrête ça ! Allez !
Est-ce que ça va? Merci. C'était moi une. Il faut qu'on se tire. Ce type est toujours dans le coin. Je pense. Ouais, je crois que c'est une bonne planque ici. Oh, bonjour. On dirait que les choses ont pris une tournure plus spirituelle. Vous ne trouvez pas ? Avez-vous compris ce qu'il se passe? Comment l'arrêter? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux? Ça viendra, j'espère, même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Laissez-moi vous aider avec un petit indice. «
Voyons voir, comment tourner ça? Certaines des puissances en jeu sont un peu plus... scientifiques, voire, irais-je jusqu'à dire, politiques, vous voyez? Moins... surnaturelles. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose? Que pour chaque objet, et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences. Gardez-le à l'esprit. Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis? Et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles? Allez, retournez-y. À plus tard. Je peux savoir ce qui t'a pris tout à l'heure. Quoi? Brad, t'as carrément pété un câble, t'as même failli me tuer. Quoi? Mais de quoi tu... Mais j'ai pas... Non, arrête, c'est n'importe quoi. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de pas perdre les pédales, d'accord? Les trucs que j'ai vus... On aurait dit de vieux soldats, c'était des cadavres, ils étaient morts et après... Il n'était plus et... Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire. Alex était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex... C'était un cauchemar. Julia... Je te ferai jamais de mal. Tu le sais, hein? Oui, je sais, mais... Tout ça peut pas arriver en même temps. Limite, un truc ou deux. Mais là, on nage en plein délire. Ça peut pas être une coïncidence. Il se passe forcément un truc bizarre. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr? Qu'est-ce qui est bien réel? Quelqu'un a vu l'or ou autre chose? En fait, l'or de Mandchourie, c'est pas du tout de l'or. C'est un produit chimique et il s'est répandu dans la cale numéro 2. Ouais. Et quelque chose me dit que c'est pas vraiment ce que nos amis les pêcheurs espéraient, eux, non plus. Ils vont être trop contents. Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau. J'en sais rien. J'ai vu la date 1947 sur le journal. Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue, ça craint. J'aime pas ça du tout. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemar. Qu'est-ce qui est arrivé aux membres de l'équipage? Où ils sont tous passés? Cet endroit ressemble plus à un mausolée qu'à un navire. Alors ils viennent d'où, tous ces cadavres? Il faut qu'on peut véritablement mourir de peur. Je suis certaine que c'est ce qui est arrivé à ces types. Au moins, on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. On perd du temps. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Allez, on se casse d'ici. On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage. On peut pas démarrer sans. Minute. Doit bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore? Il faut qu'on trouve comment y arriver. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Sandek, je crois que, en termes savants, on est carrément foutus. Une douille. Il devait tirer sur quelque chose.
Cool. Dommage qu'il soit troué comme du gruyère. On peut monter ? Malheureusement, non. Mais je vais garder l'œil ouvert. Oh merde ! Il devait transporter quelque chose de plutôt dangereux. Hey ! J'ai rien contre un petit coup de main. Je crois bien qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Je vais t'aider. Par ici! Il y a un chemin par là. Thank you.
Apparemment, une grosse tempête les a surpris. Vous avez trouvé la radio ? Non, mais il doit y avoir une radio sur ce navire. Il y en a forcément une. Personnellement, je suis pas vraiment sûr de nos chances de survie en ce moment. Il y a un problème, là. Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire. On a l'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Il jouait à cache-cache, mais sur l'océan. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Ils n'ont pas pu trouver leur position. Regardez. Oh putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Oh, on peut pas dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans. Tant qu'il y a du courant... Je vais la tester. Ah, ça fonctionne! C'est une station de longue vue. Une fréquence militaire. On demande de l'aide. Hé! Hé! Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Allô? Oh merde! Ils répondent.
Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives, 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plaît, traînez pas, on a besoin d'aide. On est sur un cargo abandonné, énorme et vieux. Allô ? Allô ? Quelqu'un me reçoit ? Hé, répondez-nous !